Bonjour à tous, je vous retrouve pour ma summer routine manucure sur ongles courts. Donc je fais tout ça le samedi et je commence par limer mes ongles, toujours avec du vernis, puisque comme ça je ne suis pas influencée par la plaque de mon ongle qui ne pourrait pas être symétrique, c'est pour que je lime mes ongles de la même manière et de la même forme. J'enlève ensuite mon vernis, donc j'ai découpé des carrés dans un coton et je viens mettre du dissolvant dessus. Je pose ensuite le coton sur mon ongle et je viens clipser le tout avec des petites pinces que j'ai achetées sur Amazon. Je laisse pendant quelques minutes et j'enlève mon coton en frottant un petit peu et voilà. Ensuite, je vais faire un bain d'eau chaude que je vais préparer. Donc je vais mettre du bicarbonate de soude à l'intérieur qui va me permettre de blanchir mes ongles. Et pendant que l'eau refroidit un petit peu, je vais appliquer de l'huile d'olive toute simple pour la cuisine sur mes cuticules qui va permettre de bien les hydrater et surtout de mieux les repousser puisque après je vais faire un bain d'eau chaude. Je viens ensuite masser en faisant des mouvements circulaires, des mouvements de rond. Et une fois que j'ai fait ça sur mes deux mains et que l'eau a refroidi, je vais venir mélanger le bicarbonate à l'eau et je vais laisser tremper pendant 5-10 minutes. Et je viens ensuite essuyer mes mains avec une petite serviette que j'ai toujours dans mon bureau. Donc j'ai fait un bain d'eau chaude pour mieux repousser mes cuticules, mais si vous avez de l'eau émolliente, ça marche beaucoup mieux, c'est beaucoup plus rapide. Donc je viens tout d'abord avec mon repousse-cuticule repousser un petit peu les cuticules et ensuite les gratter avec l'embout pointu. Vous pouvez également utiliser un bâtonnet de buis si jamais vous n'en avez pas. Donc là j'en avais pas énormément puisque je l'avais fait il y a pas très longtemps. Je n'oublie pas le pouce bien sûr. Je viens ensuite brosser mes ongles pour enlever les éventuelles petites cuticules qui pourraient rester, également ce qu'il pourrait y avoir en dessous de mon ongle au niveau du bord libre. Je viens ensuite polir mon ongle avec la face qui matifie un petit peu. Donc je ne fais pas tout le temps pour ne pas abîmer ma plaque de mon ongle. Ensuite, je me suis préparé un petit gommage, donc j'ai fait un mélange d'huile d'olive, de miel et de sucre roux. Donc je viens masser mes mains, surtout on insiste bien sur les cuticules, et je compte faire une vidéo avec plusieurs recettes de gommage, donc si vous voulez une vidéo de ce genre, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Donc je masse, je viens rincer surtout, parce qu'avec l'huile et le miel ça colle un petit peu, et justement je vais venir dégraisser mes ongles avec de l'alcool et un petit coton de carré de cellulose. Puisque je vais appliquer mon Mavala scientifique qui est mon durcisseur préféré. Il coûte assez cher, on peut en trouver sur Amazon, mais sincèrement les résultats sont vraiment top. Donc je l'applique en cure et je l'applique au niveau de la moitié de l'ongle. Je viens ensuite appliquer une crème. Donc là je viens faire des mouvements pour accélérer la microcirculation du sang en insistant bien sur mes doigts. Et j'insiste également bien sur les cuticules. Et la dernière étape de l'hydratation pour l'été, je viens appliquer un baume à lèvres que je n'utilise plus sur mes lèvres pour hydrater mes cuticules une dernière fois. Donc je l'applique sur mes cuticules et je viens masser. Je laisse reposer un petit peu et ensuite je viens nettoyer le tout en me rinçant les mains. Surtout pensez à bien hydrater vos mains, c'est très important l'été. Et donc voilà, cette summer routine est terminée, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker la vidéo, de la partager et de vous abonner en cliquant sur le bouton rouge, ça me fera super plaisir. Quant à moi, je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous retrouve pour une vidéo pour vous expliquer comment réparer un ongle fissuré afin de créer un pansement pour éviter de le couper ou de vous faire mal en le cassant.